Salut Bouboule. Comment elle va? Oh mais ouais, c'est pour toi. Petite affamée, tiens, ça aussi c'est pour toi. Ça va faire un peu gros. Là, là. Redresse la tête, redresse la tête. Hop. Et moi je te fais médical. Bel échange. Un poney contre une carotte. Hop. Et hop. Voilà, l'oreille du poney est passée. Autrement dit, le poney en entier. Tu m'avais manqué, toi. Hein, tu m'avais manqué. Je parie que tu le savais. Hop, c'est bon. Prêt pour une bonne après-midi. Je t'aime. Je t'aime. Salut les abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Céleste et lui c'est Pride. Ça va être une excellente journée aujourd'hui car on va aller en extérieur avec Pride. Donc oui, on ne va pas faire une séance, pas dans la carrière, rien de tout ça. On est déjà allé dehors mardi avec Pride et il a été à vrai dire un peu chaud. Donc je pense qu'il va être spicy aujourd'hui encore. Mais avec un peu de chance, mardi ça lui aura fait du bien d'aller en extérieur. Mardi soir après l'école, j'y suis allée. Ça lui a fait du bien d'être en extérieur et peut-être qu'il va être calme. On verra bien, ce sera une surprise pour nous tous. Allez, libère les poneys. Ouais. Ok. Allez, Prideou. Je vais te brosser. Allez, ça va être chouette. Pff, maman. Enfin, en même temps, c'est vrai. T'aimes bien être lustré? T'aimes bien être lustré? On y va, on y va, on y va. On s'arrête pas en chemin. Oh, mais les oreilles droites, on dirait que t'es vexé. Quoi? Oh, c'est pour toi, tu penses? Oh, mignon. Ouais, j'ai pas bien fait les manœuvres. C'est bien. Après d'où tu tournes? Oh, mais Titoudou, t'as fait des poils, toi, hein? T'es mon petit nounours. Recule encore un peu, Prideau. Eh ben oui! Oh, quand t'es tout doux comme ça, j'ai trop envie de te bisouiller. Non, c'est pas de ce côté. Ouais, ouais. Pff, j'avais même pas vu, ouais, va falloir qu'on le brosse, là. J'ai trop hâte de l'extérieur. C'est une. Généralement, je préfère brosser Pride à monter parce que. Enfin, non, pas brosser. Enfin, ça va en vrai, mais masser Pride à. Massage. Quoi? Tu préfères brosser ou masser? Masser. Tu préfères monter ou masser? Non, masser parce que c'est dans le top 2 de ce que j'aimerais faire plus tard, peut-être. Masser Zekin. Tu préfères lui donner à manger ou le masser? Le masser! Non, lui donner à manger. C'est au même niveau. Tu vas prendre les affaires? Ouais. Ce que je préfère, moi, c'est curer les pieds de Pride. Dans le brossage. Mignon. Ce que je préfère, c'est lui brosser les pieds, sauf quand ils sont mouillés. Ça, c'est pas très chouette. Prideou m'a trop manqué et j'ai décidé de mettre la tenue apricot. Car ben, moi, je l'aime bien et je suis sûre que lui, il l'aime bien car on se ressemble beaucoup. Prideou, recule, s'il te plaît, 2 secondes. Et donc, du coup, je me suis dit que ça pourrait pas mal lui plaire si je la mettais. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est la collection apricot de chez Le Mieux. Et moi, j'adore ce orange, donc j'aime bien la tenue en elle-même. Et c'est pour ça que je me dis que lui pourrait bien aimer. Allez, je vais lui faire là tout l'écran. J'ai oublié de mettre du démêlant d'ailleurs, je vais peut-être en mettre. Je viens de finir de décrotter Pride. Là, on est plus en train de le dépoussiérer. Et ensuite, on va le lustrer carrément. Là, maman a nettoyé la tête de Pride pendant que moi, j'étais en train de décrotter. Et de lui curer les pieds. Et maman, elle a aussi fait le passage de sangle pendant que je passais ça de l'autre côté. Et donc, du coup, on se dépêche pour pouvoir passer plus de temps en extérieur parce que c'est bien beau le brossage, mais lui, je sais que... Bon, en général, ce qu'il préfère Prideou, c'est quand même être brossé, à être monté parce que lui, il aime bien être chouchouté. Hein, ça se voit, hein, il s'endort, là. Mais... Il va tellement rarement en extérieur que quand il y va, je suis sûre qu'il est vraiment, vraiment ravi d'y aller. Je suis trop contente car c'est enfin le week-end et j'ai pas mal avancé mes devoirs, ce qui veut dire que je pourrais plus être disponible pour aller au poney. Et en plus, lundi, c'est férié. Alors, ça me donnera un jour supplémentaire en minou. Il aime pas trop le spray. Ça me donnera un jour supplémentaire pour être avec Pride ou à la maison, c'est selon. Mais c'est plus chouette avec toi.
Là, je suis en train de le lustrer. Non, mais Praidou, non, mais Praidou. Va falloir réveiller finalement. Je me demande pas si ça va être un peu trop. Maman, pauvre poney. Et t'as senti vexé parfois. Non, écoute, attends, je vais le réveiller là. J'ai pchité une mouche, Pride, et une de moi. Ouh. Nous allons faire des photos sur les nouvelles saveurs des bonbons Dilton Herbs. Moi, franchement, j'adore cette saveur-là. Elle a l'air vraiment pas mal. D'ailleurs, elles sont vraiment bonnes. Ben, moi, ça me rappelle Noël. Et c'est l'édition de Noël en plus, comme maman le dit. On va faire la photo et ensuite on fera goûter à Praidou. Bon, peut-être pas tous, mais. Pas celui de Noël, on le garde pour décembre. Oui, justement. Et on lui fera goûter peut-être les quatre autres ou un des quatre autres, on verra. Et donc, je sais pas, attendez, je vais voir quel goût ça a. La saveur de l'édition de Noël, c'est la cannelle et la noix de muscade. Donc, on va aller faire les photos avec Praidou. Je la reposer comme ça. Je vais amener Praidou et on va voir si ça va bien se passer. On vient de terminer le shooting photo. C'était un peu chaud car Praidou meurt d'envie de les goûter. Au moins, c'est bon signe, mais bon. Il les adore, ça je m'en doutais. Et comme je m'en doutais, il était aussi très pressé de les goûter et restait pas très bien à sa place. Donc, c'était un peu chaud. Mais bon, on a l'habitude et je sais pas si c'est qu'il évolue, mais ça va en vrai. Ouais, j'ai rien dit, voilà. On va aller réattacher le poney. Je sais pas où est le couvercle, il a du valdingue quelque part. On va poser les bonbons. Non, j'ai pas besoin de le tenir. Ok, on va poser les bonbons. Ramener le poney, ne mange pas le foin, reste là. Ouah, ça va être chaud. Hein. Allez, viens, allez, on va rager. Waouh. Fou, t'es dur à gérer parfois, toi. Hein. En fait, on dit que monter à cheval, c'est du sport. Mais on connaît pas Pride, on n'a pas besoin de monter à cheval. Hein. Gérer le poney, c'est un sport, voilà, en général. Non. Wow. Franchement, j'étais sanglée, hein. Salut maman, à plus. Okay. Allez, booster Pride. Plus on arrivera en haut, plus on pourra faire de choses. Enfin, calmement. On a le temps. Enfin. Oui, on a le temps pour être calme, Pride. Allez. Oh, il fait frisquette par là. Viens, on va au soleil. Allez, ça va être chouette. C'est une branche de sensibilisation. En plus, il y a un national, tu vois. Il y a quoi de désensibilisé, là, hein, Pride. Allez, on jump. Non, ça te fait mal. Je te laisse aller au milieu. Allez, voilà. On y est. En balade. Ça manque. Ça nous manque les balades, hein, Pride. Et toi, ça te manquait les balades, maman? On est un peu coincé à l'écurie car il n'y a vraiment pas beaucoup de chemins de malades aux alentours. Et on va bientôt avoir un van car je suis ambassadrice Ifor William. Il y a beaucoup de bruit par là. Désolé. On est au bord de la nationale. Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de chemin de balade. Et donc, là, je suis partenaire ambassadrice Ifor William. Et donc, on va bientôt avoir un van et on pourra aller, par exemple, chez nous. Et chez nous, il y a beaucoup de chemin de balade. Il y a des champs pas cultivés. Il n'y a que des champs, en fait. C'est trop bien. Bon, il y a beaucoup de champs de noyers.
Mais il y a quand même pas mal de champs. Sur le bord des champs, on peut faire du trotting. On peut même galoper car il est super calme à la maison. On est déjà allé quelques fois et il a vraiment été calme. On est même passé sur un pont au-dessus de l'autoroute. Il n'a pas bronché. Bon, il était un peu indécis, mais rien de plus. Donc ça me plaît vraiment quand il est comme ça. Il est calme, partant. Et quand il est calme et partant, en fait, on pourrait se dire, ouais, mais bon, t'oses peut-être pas. Et en fait, quand il avance, peut-être qu'il te booste un peu. Non, il m'effraie quand il avance. Car il avance pas très... Enfin, il avance un peu n'importe comment et tout. Alors qu'à la maison, il est vraiment calme. T'inquiète pas, Pride, c'est un panneau. Alors qu'à la maison, il est vraiment calme et ça me permet, sur le bord des champs, pendant qu'on balade, moi, de trotter. Et il est tellement calme qu'on trotte que je peux lui demander le galop. Et on peut faire longtemps du galop sans que je sois obligée de l'arrêter parce qu'il m'embarque. Et ça, c'est vraiment agréable. Car je sens qu'il est avec moi, je sens qu'il est joueur, qu'il est partant, qu'il s'amuse. Alors que concrètement, quand il est comme une pile électrique et il gère rien, il est joueur, c'est vrai, mais il gère pas grand chose et tout. Et donc j'espère qu'aujourd'hui il restera raisonnablement calme. Et là je vais reprendre les rênes car il y a des chiens. Ah, ouh, ouh. C'est pas grave, mon Pride. Faut pas s'inquiéter. Voilà. Faut pas s'inquiéter pour si peu pour ça. Faut pas s'inquiéter pour ça, Pride. Tu le manges ensuite ce qu'il y a dedans. Allez, on va droit. Si tu es de ce côté de la route, ce sera nettement plus simple pour moi. Ça peut te faire plaisir. C'est tout bénef pour moi. On implique. Donc voilà. Oh, c'est qu'il a pas peur, le grand poney. Oh ouais. C'est pas vivant, ça te fera rien. Si jamais tu te dis, il y a un truc qui peut surgir derrière. Alors oui, mais clairement dans les parages, à part un petit lapin, il n'y a rien de dangereux. Ou un chien, il n'y a strictement rien de dangereux. Pas de grands trucs qui font peur, il n'y a rien. Strictement rien, après. Je me permets de te rassurer. Pec. Non. Mon chien ne marche. J'ai des traces. Non mais il est drôle ce poney Kamen. Il me fait bien marrer parfois. Ah ça y est, il commence à être chaud. Je suis là si jamais tu fais un écart. Hein, je me prends un peu l'arbre, donc fais gaffe. Bien, on se rapproche de l'endroit où t'as peur. Oui, 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 j'ai bien dit l'endroit où t'as peur.
super bien passé avec Pride. Alors, comme je m'y attendais au départ, il est allé à fond. Et d'ailleurs, ça m'a bien fait mal parfois parce que je m'y attendais, mais pas spécialement à oui. Enfin, il démarre tordu, il fait une demi-pirouette et nion. Voilà, et il veut pas galoper dans ce sens-là, c'est qu'en allant vers là-bas. Bon, bah, ça c'était. Bah, du coup, on voyait bien la différence. Un petit trop pour aller là, hop, demi-tour, triple galop. Donc, ça c'était. Ça a environ fait 2-3. Enfin. Il a fait 2-3 allers-retours comme ça, mais j'essayais de pas faire justement des allers-retours, mais des petits cercles. Hop, on va là-bas, on essaie de lui demander le galop. Comme ça, on est déjà au galop et c'est pas une ligne droite arrivée et tout. Non, c'est toc-tom, toc-tom, voilà. Et ça a même marché une fois, donc j'ai fait. Elle me dit, je prenais le galop, toc, et je tournais, donc du coup à gauche. À gauche. Et je tournais à gauche, et bah là, du coup, j'étais à l'autre galop, enfin à l'autre main. Parce que du coup, j'ai réussi à prendre le galop, alors j'étais comme ça, là, enfin sur la piste, je sais pas si je peux le dire, mais sur le bord du champ. J'ai réussi à faire demi-tour, et donc du coup, bah, pour tourner là-bas, bah, j'étais plus à la bonne main. Mais donc, du coup, ça m'a bien dit que, enfin, ça m'a prouvé que. Il avait réussi à galoper là où je lui avais demandé, donc avant le tournant. Et ensuite, il s'est calmé parce qu'il s'est dit « Ouais !» Et la seconde fois, il s'est dit « Ouais !» Et la troisième fois, il s'est dit « Chouette !» Mais ça commence à quand même fatiguer, là. Et la quatrième, il s'est dit « Bon, je vais y aller mollo parce que chouette, on galope, mais je vais m'économiser pour que ça dure. Hein. » Et bah du coup, bah, il a bien compris. Et là, bah, ça fait à peine une minute qu'il broute. Mais bon, ça suffit pour déjà faire retomber car il transpire comme un. Alors que dans la carrière, on galope plus, bon, certes pas aussi rapidement qu'au départ, mais on peut galoper plus et il transpire pas du tout, hein. Ça va. Hein. Et donc là, je vais voir si au redémarrage, il s'est dit bon, allez, plein gaz, à fond, on taille, c'est reparti, ou s'il va se dire non, je comprends, ok, c'est chouette, mais avec un peu de chance, on continuera encore après, je vais m'économiser. On va voir. Moi, je peux m'attendre aux deux avec lui, car c'est vrai qu'il y a deux Pride où, le Pride où peureux, le Pride où. Non, il y a plusieurs types de Pride où, c'est selon les jours. Donc, on va voir ça. Donc, là, ça doit faire 5 bonnes minutes qu'il broute. Quoi de bien faire redescendre la chaleur intérieure. Même pas le stress, c'est rare, mais je le dis pas. Donc, du coup, avec maman, moi, je pense que Pride. Il va repartir. Pas très rapidement. Et maman, tu paries quoi, toi? Pareil. Pas très rapidement. Et vous pourrez parier en commentaire si vous, bah, vous pensez qu'il va faire son kéké comme au début, ce qui pourrait tout à fait être possible, hein, qu'ils disent « Allez, j'ai repris de l'énergie à fond !» Parce qu'il oublie parfois de réfléchir. C'est pas méchant, Pride. Hein. Mais parfois, il peut oublier de réfléchir sous la joie, le stress, le je sais pas. Voilà. Et donc, du coup, bah, il pourrait tout aussi bien tailler en se disant « C'est la dernière fois » ou « Peut-être pas, mais faut que j'y aille. » Et je me donnerai rien après, enfin moi après, ou sinon je vais aller mollo, j'ai déjà pris ma dose, c'est selon. Et donc vous pouvez mettre en commentaire bah, votre avis. Nous deux, on parie que Prideou, il ira doucement, enfin pas trop vite, comme là, comme à la fin, voilà. Si non plus, tu connais cette expression. Allez. Ouh. Oh, attends, parce que je veux que tu sois à la bonne main pour tourner. T'attends mon top. Go. Ok. On n'est plus comme avant, mais on a un bon galop. Ok, non, c'est impec. Il a repris de l'énergie. Suffisamment pour pas faire trop le kéké non plus, mais suffisamment pour galoper. Wouh ! Minou, correctement. Et à la bonne vitesse. Par contre, désolé, j'ai pas trop réfléchi à ma position, Brian. Allez, allez. Ah bah c'est bien là quand t'avances. Tu te rends compte à quel point? Go, go, go. Allez, allez, Pride. Là, Minou. Ok. Là. Ouais, je sais, t'es pas trop au bon pied. C'est des bottes de foin. Viens, on passe par là si t'as peur. Le but, c'est pas de t'effrayer. Enfin, un peu pour bien que tu voyes des choses, mais... Là, tout de suite, c'est de galoper convenablement. Mission accomplie pour Super Pride. Ouf. Allez, file. Non, il y a une branche.
T'as pas peur. On continue. On continue. Et voilà. Oh, c'est bizarre de pas remonter au même endroit. Allez. Grave. Faut y transpire là pour le coup, hein. Va voir maintenant. Ouais, mais je veux qu'il ait ton bonbon avant. Ça va? Ouais. Ah, ça fait froid sur les joues. Ah, faut pousser là. Quand on va dans ce sens-là, faut pousser, hein. Parce que tu remontes. Parce que tu remontes, hein. C'est peut-être pour ça. Ça fait travailler les piscines. Ben voilà qui est agréable. Non mais ouais, je lui ai pas proposé. Mais si je lui propose, regarde. On continue? Voilà. Je trotte sur le bord du champ. Allez, prête! Ça y est, on est sur le chemin du retour. Praidou est vraiment cuit. Moi aussi d'ailleurs, hein, là je dors sur place limite. Non, on est vraiment bien fatigués tous les deux. On va aller lui faire les soins. Praidou ? Ah bah. Il y a un crottin qui depuis le pas, je sais pas si on peut appeler ça la séance, depuis le début de la balade. On voit qu'il voulait faire un crottin et. Bah ça y est. Ça y est, Praidou, à la fin, mais bon, c'est pas grave. Au moins il aura fait son petit crottin. Je vais essayer de lui étirer le dos en lui laissant un peu des rênes, tout en restant sur mes gardes au cas où il aurait peur. Parce que là, il y a la nationale et là, il y a des petites maisons qu'il n'a jamais vraiment vues de près. Donc on ne sait jamais. Il est motivé pour entrer là, hein, il n'y a pas de doute. Ok. Faut rentrer, Pride. Moi aussi, je suis crevée. Voilà. Faire mal aux pieds, je le sens. Oui. Alors, attends, je le filet. C'est bien, je suis fière de toi. T'as été calme, hein. Au début, pas trop. Hein. Ouais, mais franchement, comparé à d'habitude. Mais tu l'as bien monté, c'est pour ça. Oh, je suis morte. Ouais, ouais. C'est bonne la carotte. Je vais enlever les guêtres avant de le mettre au boss. Ah, ouais. Ouah, je crois que je vais avoir des courbatures. Hein. Je me suis tenue debout un bon moment, moi, quand même. C'est des guêtres. Ils sont cradou. Hein. Voilà. Bon, allez. Le poney avant, les affaires après. On file ? Est-ce que tu m'accompagnes ? Tu viens ? Eh bien, non. Eh bien. Eh
Boubouille. Oh, mais elle a plus de piles. Allez, on y va. On y va, oui. Je vais t'ouvrir la porte. Allez. Oh. Allez. Vous êtes bientôt arrivé à destination, faut tourner. Rien. Oh, il y a du copeau tout propre. Ah ouais, bah, qu'est-ce qu'il fait là, tout ce copeau? Ah là, il va être bien montre. Waouh. Il est allé manger tout de suite. Ah non, mais là... Il y en a plein du copeau, là. Maman est en train de laver Pride. Moi, j'étais en train d'enlever mes propres affaires de sur moi. Donc, mes bottes, ma bombe et tout. Là, elle est en train de bien s'occuper de Pride. Généralement, c'est elle qui fait à la douche pendant que moi, je range le matériel et ce que j'ai sur moi aussi. Je me débarrasse un peu. Ensuite, moi, je lui fais les soins. Et maman aussi. En fait, non, généralement, on est deux à faire les soins à Pride après la douche. Fred avait vraiment beaucoup transpiré. Là, je le vois toujours fumer, moi. Alors, je pense que vraiment, ça lui fait trop du bien d'être lavé. Là, il bronche pas une oreille. Hein. D'habitude, il bouge un peu. Là, on voit que... Déjà, qu'il est tout crevé. Tout... ouais, il fume. Hein. Alors, du coup, elle s'occupe bien de Prideau. On va avoir de l'eau chaude à l'écurie, ça va être chouette. Car en hiver, ce sera bien plus agréable que de l'eau froide. Hein. Forcément, il fait froid, il y a de l'eau froide. Alors là, ça va être chouette. Du coup, on va avoir de la bonne eau bien chaude. Pour Pride aussi, car elle n'aime pas aller à la douche en hiver. Là, je pense que ça va le surprendre. Je pense que ça le surprend déjà, car là, elle est tiède. Ouais, même maman, elle est heureuse. Du coup, quand elle met les mains, c'est chaud. Et donc, du coup, bah, ça lui fait du bien. Ça fait plaisir à tout le monde, ça. On va terminer le vlog là-dessus car il est tard, le soleil est en train de se coucher. On va tous, là je vais lui donner une petite ration supplémentaire à Pridou. On va tous aller, on a terminé les soins, hein, voilà. Et on va lui faire des petits bisous pour lui dire au revoir et tout. Et ensuite on va rentrer car lui il est bien douillé dans son box et tout, mais nous pas encore à la maison. On n'a pas goûté en plus, alors on a faim. Et donc du coup on va conclure le vlog sur mince, il est pas ouvert. Il est ouvert, non? Oui, vas-y. Voilà. On va conclure le vlog sur la préparation de la ration du soir de Pride.
Ça, c'est de la betterave. Tu en mets une petite poignée ? Oui. Ça, c'en est trop ou pas ? Non, vas-y. Voilà. Il est content près d'eux. Tu les amènes au box et puis c'est bon ? Ouais. Ferme bien, j'ai fait mal. Ouais, voilà, c'est bon. Bon, bah, on va lui ramener ça. Et puis voilà, il a passé une bonne nuit. Prédou, c'est l'heure de la ration. Oh, il a entendu. Ah bah oui, c'est pour toi. Oh, regarde-le là. Ah, désolée, je t'ai tout mis sur le bord. Voilà. Bon après-midi. C'est la fin de ce vlog, j'espère qu'il vous aura plu. Prédou est au lit, on lui a donné sa ration et nous, on va rentrer. De gros bisous!